The
the true pain que tu attends, that you are waiting only comes from the Lord. Parce qu'il a dit ceci, because he said, je vous donne ma paix, I've given you et my peace, sur ma paix. And I have left ce my peace. It's not like the world can give you. Without waiting our time, if you can stand up, please. Nous voulons accueillir celui qui a la bouche et we are going to welcome the one who is the mouth of God. Et si il est le Père pour nous. Amen. Amen. Restez debout, s'il vous plaît. Remain standing, please. My sister, I want you to step a little bit, two step away from me because I might need to move. I don't want you to be tangled in the wires. Père, merci parce que le temps est venu. Father, we thank you because the time has come. Pour que tu accomplisses tes désirs. So you can accomplish your work. Ton peuple est là. Your people is waiting. Fais ce que tu as préparé. Do the things that you have prepared. Et adresse-nous ta parole. And give us your word. Ton fils est venu. Your son has come. Il a dit. He said. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Man cannot just live by bread only. Mais de toute parole qui sort. But with every word that comes from the mouth of God. S'il te plaît, Père. Father, please. Quelle parole puisse venir de ta bouche. Let the word come from your mouth. Pour chacun de nous. For each one of us in this afternoon. Et que chacun trouve la vie dans ta présence. So each one of us can find life in your presence. Au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Asseyez-vous. Merci. Is it please? J'ai une profonde impression que Dieu a un grand travail mystérieux et puissant faire dans ces lieux. In me, I've got a feeling that God has work to do in this place. C'est vraiment la grande conviction que j'ai cet après-midi. I believe and my heart is convinced that God has got something to do in this place. J'ai passé mon temps avec le Seigneur pour vous. I spent my time with the Lord only for you. Je suis prêt et le Seigneur est prêt. I am ready and the Lord also is ready. La question reste, est-ce que vous êtes prêt? The question mark is that, are you ready? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêt? Are you Amen. Ready? Bien-aimé, il y a une grande lutte quand un homme de Dieu veut parler de la part de Dieu. Beloved, there's always a limit when a man of God can speak, want to speak about God. Parce que vous devez séparer vos pensées. Because you have to separate your mind. Votre connaissance. Your knowledge. Et la voix de Dieu. And the voice of God. Vous devez savoir qu'est-ce que Dieu veut parler. You want to know what God wants to speak to us. Et si tu, je ne vous connais pas. Also, I don't know you. Et je ne connais pas quel est votre problème précis. I don't know anything about your problem. Mais lui, il vous connaît. But he, God, he knows you. C'est ce dont vous avez besoin. He knows every need that you have. Mais c'est moi qui dois parler en son nom. But I have to speak about him. Je suis vraiment intéressé de voir la puissance de Dieu agir dans la vie des hommes. I am interested to see the power of God working among the human being. Mais Dieu me rappelle toujours qu'il vaut mieux que les hommes le connaissent d'abord. But God always reminds me. But God always reminds me that man should know him so his power can manifest among them. La puissance de Dieu n'a rien qui peut l'empêcher de se manifester. The power of God cannot stop him so he can manifest himself. Tu peux être mort, la puissance de Dieu va agir et te sortir. You can be dead, but the power of God can resurrect you. Tu peux être dans la bouche du diable. You can be in the mouth of the devil. Even in the belly, in the stomach of the witch. But the Lord will take you out from there. Whatever word they can say. But the biggest problem. That many men, they don't want to seek God. Because